Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Radhika, nous sommes lundi 22 mars 2021. C'est parti pour une petite vidéo à action de Brie contre Aubert. Alors je rappelle que je suis moi dans un département qui est confiné, donc certains rayons sont fermés. Je dis ça parce que je sais que vous êtes de toutes les régions à me suivre et même de pays, de certains pays. Donc dans les départements qui sont confinés, le loisir créatif est fermé, mais la laine est restée ouverte. Voilà. Par exemple, on a ces petites pelotes avec les petits sequins, 1,99€. Alors pareil, on ne va pas en commentaire polémiquer sur ce qui est essentiel, non essentiel, etc. Côté multimédia, tiens, on a ces rubans LED à connecter sur votre télé. Moi, je l'ai à la maison, je trouve ça sympa. Donc en fait, il faut le connecter sur des prises USB hop, de votre téléviseur. Donc vérifiez si vous en avez, normalement vous en avez, hein, sauf si vous avez un vieux téléviseur, et encore. Et donc en fait, vous pouvez voilà, avoir... Ah, par contre, moi, comme il est grand, parce que c'est 2 fois 50 cm, moi j'ai mis que sur le côté, j'ai pas pu faire le tour de la télé. Et après, vous avez la télécommande pour changer de couleur, etc. C'est 7,95€. Tiens, une petite nouveauté qui est très intéressante vu le prix, c'est 3,95€. Vous savez, c'est une petite housse de protection pour la Nintendo Switch. 3,95€, donc il y a Spider-Man, il y a le Roi Lion. J'ai vu. Il y a celle-ci, toute noire, tout simplement. Il y a la rouge et bleue. Et il y a Avenger. Tiens, concernant la Nintendo Switch, on a des jeux à 9,95€. Alors, il y en a qui sont connus, d'autres pas connus. Donc, on a plein de jeux. On a des jeux de circuit. 9,95€. Alors des fois ils sont en promo en plus, mais bon, pas cette semaine. Donc on a ce jeu Fruit Racing, 9,95€. Alors à l'intérieur il n'y a pas de petite puce, hein, c'est un code. Donc moi j'en ai acheté deux à mon fils, et pas de souci, hein, le code fonctionne bien. Et puis c'est sympa, lui il a aimé. Je crois que j'avais pris un jeu de voiture et un jeu avec plusieurs jeux de plateforme. Ça, je vous l'ai montré hier, le retour du tutoriel support 3 en 1, 12,95€. Alors attention, il n'y a pas le micro, hein, c'est juste le support qui est là. Donc il y a la petite lumière LED. Et pour mettre son téléphone, 12,95€. Les ensembles de jardin, donc on a celui-là à 99€. Et on a celui-là à 199€. Donc alors le jardin est resté ouvert, donc c'est un rayon qui est resté ouvert. Après, encore une fois, je vous l'ai dit dans mes vidéos depuis le confinement, si jamais vous avez un article qui ne passe pas en caisse, donc bah, c'est pas la faute du caissier ou d'Action, c'est comme ça, c'est des articles qui sont considérés comme non essentiels. Et je dis ça parce que ça peut arriver. Moi, la dernière fois, je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'avais acheté, vous savez, le rouleau de massage que j'avais pris dans le rayon sport qui était ouvert, bah, c'est pas passé, et donc bah, c'est pas grave, je les aurai après le confinement. Un petit tour dans les moules. On m'a demandé s'il y avait encore le lot de 4 moules tartelettes. Je ne les ai pas vus. C'est vrai que ces moules-là, ça s'en va et ça revient, comme dit la chanson. Et bah, là, il n'y en a plus. Ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. Donc vraiment, si vous tombez dessus, c'est vraiment pas l'article qu'il faut dire, bah, je le prendrai après, parce que ça part assez rapidement. Moi, je me rappelle, je les ai achetés après le premier confinement. On a les moules à muffins. Il y a 12 muffins, 4,99€. Les moules à cake, 2,99€. On a ça, c'est super pratique, à chaque fois je vous le dis, hein, c'est 3,59€, c'est des moules à pizza. Donc, pour réchauffer vos pizzas, vous voyez, il y a des petits trous en dessous. Mais moi, je m'en sers des fois quand je fais réchauffer des nuggets, des choses comme ça. Donc ça permet à ce que ce soit bien cuit en dessous. 3,59€. Tiens, il y a des bonbonnières, 1,36€, donc elles ont fait leur retour là, la semaine dernière. Donc là, il y en a encore. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces petites bonbonnières? On peut y mettre des petits bonbons, mais tout petits bonbons. Alors des fois, quand je vois la taille, je me demande pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais bon, on peut y mettre aussi des petites perles de bain. On peut y mettre plein de choses dans ces bonbonnières. 1,36€. Oh tiens, je pense qu'elles vont revenir tout doucement, tiens, ces assiettes-là. Alors, elles ont pas mal de succès, hein, ces assiettes fleuries. Alors, je ne me rappelle plus c'est quelle gamme, je ne me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, là, par contre, il n'y a que les petites. Et je vois les assiettes pailletées. Donc, pareil, je pense qu'elles vont sûrement revenir. Mais pour l'instant, pareil, il y a toujours, c'est la petite seulement. Donc,
J'essaie de voir le prix, mais j'arrive pas à voir le prix. Par contre, non, les grandes, je crois qu'on les a vues il y a 2 ou 3 semaines, parce que moi j'avais acheté la dorée. Par contre, je pense que c'est le motif peut-être qui plaît le moins, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que les tachetés. Donc la grande, elle est à 2,99 et la petite, elle est à 1,99. Mais bon, à côté, il reste encore celle avec le zèbre. Pareil, je sais qu'elles ont pas mal la cote, ces assiettes-là. Donc c'est un retour, puisqu'on les a eues il y a quelques mois, et là, elles sont revenues la semaine dernière. Tiens, on nous a mis... Quand je les ai vus tout à l'heure, je croyais que c'était ça, mais non, c'est comment on appelle ça, le toit, la toile par soleil. Voilà, pour se cacher du soleil, on va dire. Donc, il fait 5 mètres sur 5 mètres. Pareil, ça vient d'être mis, donc j'ai pas le prix, je vais essayer de le demander. Tiens, le retour aussi de ces coupelles. Enfin, le retour. On en trouve quelques-unes parfois, donc c'est 1,99€, mais je vous dis, dès qu'on va arriver, aller vers mi-avril, même début avril, on va avoir pas mal de vaisselle comme ça en bambou, etc. Alors, tiens, du coup, en cherchant, j'en ai trouvé un autre, il y a deux tailles, donc faites attention quand vous allez choisir le vôtre. Donc il y a le 5x5 et il y a le 3,6x3,6, c'est un peu plus petit. Celui-là est à 7,95€, donc à mon avis, celui-là, il doit être dans moins de 10€ aussi. Tiens, une petite nouveauté. C'est des lacets LED, 1,99€. Alors, j'ai pas vu ça encore, enfin, la mode ou des choses comme ça, parce qu'en général, c'est des petites choses qu'on voit de sur TikTok, etc. Donc, en fait, c'est des lacets, puis là, ça s'allume. Alors, il y a le on-off, c'est rigolo, ça. Donc, c'est des lacets qui font 1,20m. Donc, on a du rouge, on a du rose, on a du vert, on a orange, rouge, je vous l'ai dit, et on a aussi du blanc. Tiens, il y a du blanc aussi, mais dommage, il n'y a pas de bleu. Je les aurais mis sur mes chaussures Lidl. Après, on a les retours aussi de ces lacets, donc très tendance, colorés comme ça. Mais le petit plus, c'est que c'est des lacets élastiques, 1,39€. Et c'est très, très pratique, surtout pour ceux qui ne savent pas faire leurs lacets, pour les petits aussi. Donc, hop, ça tient comme ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire les lacets, c'est élastique. 1,39€, donc on a du couleur, on a du rose. On a du noir, moi je sais que je les avais testés l'année dernière, il y a noir et blanc aussi. C'est 1,39€. Alors ça, c'est un de mes produits top. C'est un petit gel pour nettoyer les chaussures. Donc moi je nettoie mes chaussures blanches avec et c'est nickel. C'est 89 centimes et franchement ça fait super bien son travail. Donc moi je nettoie, je vous dis, mes petites baskets blanches avec et nickel, pas plus de taches. Alors des fois... je les passe un petit peu à la machine à laver avant. Bon, je sais que normalement on ne fait pas parce que c'est du cuir, etc. Mais bon, moi je les passe à la machine. Et un petit coup de ça avant ou après. Et franchement, les chaussures sont nickel. 89 centimes. Alors, c'est transparent. Donc, c'est pour ça que là il y a 3 chaussures. Donc, vous pouvez les utiliser sur toutes les couleurs de chaussures. On a les brise-vues comme ça qui commencent à arriver. Donc, 3 mètres sur 1,40 m de haut. Donc si vous voulez soit délimiter un espace, soit voilà, brise-vue pour éviter qu'on ait vue sur votre jardin. Par contre, j'ai plus le prix, mais en tout cas, c'est une nouveauté. Et, hop, c'est comme ça. Alors par contre, la question que j'avais, si jamais vous l'avez déjà, parce que ça, je l'ai vu l'année dernière, parce que hop, je vois ça, mais est-ce que c'est un... Est-ce qu'on peut enlever? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut défaire là et hop, ça s'enroule? Ou bien c'était juste pour nous montrer que c'était des poteaux. J'aimerais bien savoir ça. Parce que ça peut être sympa, parce que du coup, on peut décider ou pas d'ouvrir ou de fermer. Tiens, la petite palette ombre à paupières, 4,44€. Il y a 66 couleurs. Tiens, là, un petit tour dans les soins pour les pieds. On a ce soin pour les pieds, les pieds, les talons fendillés, craquelés, 99 centimes. Alors ça, c'est un super soin, donc moi je vous le conseille, mais attention, pas si vous avez, si vous êtes diabétique ou enceinte, donc lisez vraiment bien les précautions d'emploi. Alors je vois souvent, et ça me fait sourire quand je le vois sur le groupe, des personnes qui testent et qui disent « mais ça marche pas, c'est pas bien, ça fait rien ». En fait, faut pas confondre ce soin-là et ce soin-là. Donc c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est des chaussettes à mettre, ça aussi, hein, c'est des chaussettes. Mais ça, vous allez les mettre, il faut les laisser 2 heures. Mais quand vous allez les enlever, au bout de 2 heures, vous n'allez rien voir. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien de rien. Mais au bout de 2-3 semaines, vous allez commencer à voir les pieds qui pèlent, comme un serpent.
Mais attention, vous allez avoir les pieds qui pèlent pendant au moins une, deux, voire trois semaines. Ça m'a fait rire parce que dans une publication, la personne disait « Mais à quel moment ça va s'arrêter ?» Ça va s'arrêter quand vous n'aurez plus de peau morte. Par contre, attention aussi, il ne faut pas tirer sur la peau. Hein. Voilà, et donc après, on a des pieds vraiment doux comme les bébés. Et ça, c'est un soin pour hydrater les pieds. Donc, on peut le mettre soit avant, soit après. Donc, c'est juste de la crème pour hydrater. Donc, il y a avocat, lavande. Il y a coco, mais j'en bois plus. Alors, donc ça, c'est 89 centimes. Et ça, c'est 1,99€. Allez, on finit par une petite douceur qui revient. C'est ces barres de nougat, soft nougat de luxe. Il y a trois parfums. Donc, il y a orange chocolat. Donc, c'est 99 centimes. Alors, moi, la dernière fois, j'avais goûté caramel. Alors, donc il y a celui-là. Et il y a celui-là, mais du coup, ça fait plus de trois parfums. Donc, il y a caramel. Il y a caramel amande. Et cranberry, et il y a amande, cacahuète, pistache. C'est 99 centimes. J'avais goûté, je trouve ça un peu sucré, mais voilà, c'est pas mal. Si vous aimez, il y a des personnes voilà qui sont plus sujets au sucre que d'autres. Moi, j'ai trouvé ça un peu sucré, mais pas mal. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de me suivre, merci d'être là. Voilà, plein de gros bisous. Bonne journée, et puis à plus tard. Ah oui, j'allais oublier. Donc ceux qui sont dans des départements qui sont confinés, si jamais vous aviez acheté avant le confinement des produits, mais que vous avez besoin de les changer, enfin il y a un souci, pendant la période du confinement, il n'y aura pas de retour, donc il faut patienter après le confinement, et bon, et ça par contre, on ne peut pas vous donner vraiment de date. Donc voilà, il faut être un petit peu patient, et surtout, encore une fois, ce n'est pas la faute du caissier, de la caissière, mais c'est comme ça, voilà, il faut être patient. Plein de gros bisous, à bientôt.